Nous élevons des vaches laitières en Montbéliard. Nous cultivons également 4 hectares de pommes de terre. On fait de la semence et de la pomme de terre de consommation. On engraisse également des veaux de boucherie sous label Le Veau de Loup, qui sont commercialisés sur le département. L'exploitation elle se situe sur le plateau de Craponne-sur-Arzon. C'est une production qui existe déjà depuis 2 générations, qui avait été développée par mon grand-père. Donc moi, en m'installant, on a continué la production de pommes de terre en développant le nombre d'hectares de consommation. Parce que sur le plateau de Craponne, nous avons un terrain granitique qui correspond bien à la production de pommes de terre. Ça lui donne un goût bien de chez nous, hein, que les gens aiment bien. Et c'est vrai que les gens qui ont goûté à cette pomme de terre reviennent nous voir pour rechercher des pommes de terre de Craponne. La consommation, c'est 80% aux particuliers qui viennent les chercher directement à la ferme. Et 20% sur des restaurateurs, des gens qui revendent derrière parce que ils aiment ce goût de la pomme de terre. On cultive plusieurs variétés sur l'exploitation. Ici, 2 exemples, hein, une Mona Lisa peau blanche et une Rosabelle peau rouge, chair ferme, très prisée des consommateurs. Une fois par an, il se fait une fête sur le secteur qui s'appelle la Trifola, où c'est la mise en valeur de notre production, la pomme de terre.